Trevor Tripp a 7 ans et demi et souffre de terribles insomnies. Il ne croit pas aux fantômes et n'a pas peur du noir. Mais ses pensées le tiennent éveillé tard le soir. Il se pose des questions sur tout et parfois même sur rien. Et ses yeux restent ouverts jusqu'au petit matin. Que se passerait-il s'il pouvait arrêter le temps, juste une nuit? Mais oui, il aurait la vie rien que pour lui. Il dévaliserait alors les magasins de jouets et personne au monde ne l'en empêcherait. Parfois, Trevor a la sensation d'être observé. Comment dormir tranquille si tous les enfants sont surveillés? Et quand un enfant a quelque chose à se reprocher, pas la peine de mentir, on voit tout ce qu'il fait. Les radiateurs résonnent sans aucune raison. Comment fermer l'œil avec ces bruits dans les canalisations? Y aurait-il des créatures qui vivent sous les maisons? Trevor se concentre pour ne penser à rien du tout. Mais c'est alors l'idée du vide qui le maintient debout. Et s'il n'y avait plus rien dans l'univers? Cette pensée le foudroie comme un éclair. Le cerveau de Trevor est en ébullition. Impossible de dormir avec toutes ces questions. Il ne reste qu'une chose à faire dans ces conditions.